Israël se prépare-t-il à une nouvelle opération à Gaza? Sur fond de tension à la frontière de Gaza, le ministre israélien de la Sécurité publique a évoqué une possible intervention militaire dans l'enclave palestinienne. L'État hébreu pourrait bientôt lancer une « opération militaire de grande envergure » à Gaza, a fait savoir jeudi le ministre israélien de la Sécurité publique, Gilad Erdan, lors d'une interview à la radio militaire. Je ne veux pas que nous lancions une offensive, mais il y a de fortes chances que nous n'ayons pas d'autre choix que d'intervenir, comme mesure de dissuasion, a confié le ministre. Selon lui, l'éventuelle opération aura pour l'objectif de « dissuader à long terme les terroristes de Gaza d'attaquer Israël » ainsi que d'envoyer un message aux Gazaouis que la seule voie possible pour avancer serait le renversement du Hamas. Ces déclarations interviennent sur fond de recrudescence des tensions à la frontière entre Israël et Gaza depuis les manifestations de la dénommée Marche du Retour débutée le 30 mars. Plus de 130 Palestiniens ont trouvé la mort dans la confrontation avec les militaires israéliens, alors que près de 4000 manifestants ont été blessés. Israël est régulièrement ciblé par des tirs de roquettes et des ballons incendiaires de la part des combattants et partisans de groupes tels que le Hamas ou le djihad islamique palestinien astérisque. Astérisque organisation terroriste interdite en Russie.